Donc j'ai entendu un grand coup dehors. Parce qu'ils ont l'habitude souvent de nous agresser. Ça c'est la cinquième fois. Voilà. Il a dit que je suis sûr que les gars sont à bord. Je sors alors, justement. Je vois qu'il y avait seulement des clients tout dehors, les tout, dont les gens fouillaient de tous les temps. Parce que même les clients qui consommaient, on les a poignardés. Et on a récupéré les téléphones et tout. Oui, donc les gens étaient. Ils m'ont confirmé que l'une qui était au premier, il l'a revoqué. Parce qu'il y avait trois, j'avais trois copines en service. Celui du milieu, on l'avait déjà tout dépouillé, il était qu'au sol. Et celui de l'autre côté avait problème. Donc les gars, même son tampon, tout. Ça a déchiré. Et sa main, parce qu'il cherchait à fouiller avec le couteau, tu ne peux rien, il faut vraiment chercher à fouiller. Maintenant, même les passagers qui étaient restés là en route, qui attendaient pour emprunter le taxi et la moto, parce qu'il y a une dame qui était moi à la fin qui le dit le transport parce qu'elle n'avait plus rien. On a arraché son sac, parce qu'on a pointé le couteau. Si elle a tellement tout laissé, parti. Et le autre monsieur qui était aussi pointé juste au niveau du dernier îlot de la pompe, parce que c'était un peu. Donc, celui qui l'a fait, c'était un peu mieux de pouvoir se défendre avant que les autres, simplement, vu que ah, c'est qui nous empêche de faire nos coups, il est trotté derrière. Je crois que pour nous, on s'est entré là. Donc, c'est l'autre, le collègue derrière qui l'a fait, parce que celui qui l'a fait ça, il s'est senti qu'il pouvait l'autorité. Donc, l'autre qui est trotté, je l'ai dit encore le coup assez haut. Donc, là-bas, et comme maintenant, c'était à vous, parce qu'on l'a dit, il était déjà plus. Quand ils viennent, ils sont en masse. C'est pas les affaires de 5 personnes qui sont nombreux. Les petits. Ils étaient à pied, ils n'étaient pas sur moto. Non, à pied. Ils avaient mis les casse-nez. Oui, casse-nez. Bon, ouais, c'est la cinquième fois que Bon, je vois que les quatre premières fois, ils sont partis. Mais vous n'avez pas signalé. Non, on a signalé, j'ai posé une plainte au niveau de Bounanjo. Voilà, la plainte, c'est après l'action, vous savez. Oui, le même. Attendez donc, pour l'attraper, quand ils viendront pour la cinquième fois, certainement vous allez prendre mon numéro, celui du commissaire et en offre, vous comprenez. Donc, appelez immédiatement quand, parce que le problème, c'est signaler immédiatement. Chaque fois que les populations ont à nous dire, voici ce qui se passe à tel endroit, dans les 5-6 minutes qui suivent, on réagit. Vous comprenez que, ils ont agi comme ça, personne n'a eu le réflexe d'appeler le responsable. Et ça, vous avez dit que non, si on a fait 113, 117 personnes, on veut dire non. Ayez les numéros des responsables. Vous comprenez. Donc, la sixième fois, en tout cas, comme deux sont déjà pris et qui sont passés aux aveux, on va rattraper tous les autres. Mais, pour la bonne synergie, donc, agissez rapidement, comme vous étiez au bureau à l'intérieur, dites monsieur le gouverneur, voilà ce qui se passe, monsieur le sous-préfet ou bien monsieur le commissaire de collision, voilà. Aidez-nous, parce qu'on est en difficulté. Ouais. Le cimetière donne accès à TGF, voilà, rue Coloco, à droite, à gauche, à commande.